Salut! Je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année. On commence 2023 de manière très lourde. Close your eyes. C'est vraiment fait un kiff là, non? Non, c'est un kiff. Et encore une fois, une bonne année à tous. Mika, ça fait très longtemps que je t'avais pas vu sur la chaîne. C'est vrai. Ça fait des années que vous me suivez sur les réseaux sociaux, que vous me voyez évoluer avec une Crown Victoria qui est encore actuellement en cours de restauration. Vous m'avez vu évoluer avec la Impala, aussi un peu la Rolls, c'est vrai qu'à l'époque. Pendant toutes ces années, c'est-à-dire plus de 3 ans, voire même 4 ans si on veut vraiment aller loin, vous m'avez jamais vu avec un vrai Gamos. La C63 étant à près d'un pote quand même. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai craqué. Je pense que ce qui m'a fait briller, quand j'étais avec la Polo GT de ma mère et que je suis allé à Paris, qu'on a filmé la M4 de Foufi, et je sais pas là, je crois que j'ai eu un déclic, j'ai fait ok, non, là, il faut que je fasse un truc là. C'est vers toi que je me suis tourné. Parce que de base, je devais pas du tout prendre une RS7. De base, tu voulais prendre un TTRS. Ouais, t'en avais un. J'en avais un qu'on a vendu. Oui. Même si on l'avait encore, je préfère ça. Mon cœur balance parce que c'est vrai que la TTRS, c'est une voiture que j'aime beaucoup. La RS7, pourquoi cette voiture? Alors, tu l'as chez toi depuis un petit moment. Elle a du mal à se vendre. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. T'es fait une offre que je pouvais pas refuser dessus, déjà. Moi, je t'ai essayé. Est-ce que je t'ai un peu essayé, là? RS7, c'est 7 phase 1. En fait, les premières RS7, hein, d'ailleurs, la première, la toute première. Il y a eu des RS6 avant, Vélis, etc. Mais il n'y avait pas eu des RS7. Celle-là, c'est la toute première. C'est une 2014, là. Originale allemande. Comment je ne sais ça? Eh oui! Carl'Article, c'est le sponsor de la vidéo que je voulais vraiment remercier. Pour l'histoire de ce véhicule, on a tout l'entretien qui a été fait pour la plupart du temps en Allemagne. Elle a été importée ici en 2018, comme vous le voyez actuellement à l'écran. RS, hein, vous avez toutes les options de la voiture. Enfin, moi, j'ai le carnet dans la voiture. Tout est clean, de toute façon c'est une RS7 les gars, donc là au bout d'un moment, faut que ça soit clean. Le lien est dans la description, n'hésitez pas, le code promo est automatiquement appliqué, sinon c'est Delta. Et donc c'est simple, vous prenez le VIN qui est habituellement ici, vous le mettez dans la barre de recherche, et vous aurez l'historique de votre future voiture, votre voiture actuelle, ou votre ancienne voiture, pour savoir si vous aviez une merguez à l'époque. Enfin bref, encore un grand merci à eux. Et puis surtout mec, un grand merci à toi. C'est avec plaisir. Eh oui. Là, c'est même pas un petit kiff, ça c'est un gros kiff. En fait, j'ai toujours kiffé déjà la RS6 à l'époque. Jenka a énormément, pour nous hein, francophones, popularisé la RS6, l'Inmiltech. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que celle-ci est équipée d'une Inmiltech. Exactement. Mais c'est pas la seule modification qu'il va y avoir dessus. Déjà, on commence bien. Mais elle avait du mal à se vendre, pour revenir à ce sujet. Parce que la config, alors moi je l'aime bien, ce bleu. Je me rappelle l'Impala et bientôt la Crown. Merde, j'ai spoilé quelque chose? Non. Mais ciel de ta grille. Je te filme comme si c'était de ta faute, mais ça ne l'est pas du tout. Une question, le volant est rond, c'est pas un méplat, mais il est chauffant, c'est peut-être pour ça aussi. Ça avait du mal à se vendre, peut-être la configuration aussi un peu extérieure, des gens qui n'aiment pas forcément peut-être. C'est un produit atypique, et après, c'est pas très connu comme voiture, il n'y en a pas eu beaucoup. Faut le populariser. C'est vrai, c'est dommage parce que en berline. Moi je préfère cette ligne-là que la RS6. C'est des voitures atypiques, donc ils sont pas trop connus du grand public, donc forcément, ça peine plus à se vendre. Quoi. Mais du côté ricain en fait. C'est vrai que la RS7 a plus été développée pour le marché ricain ou pas trop européen. Quoi. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas un véhicule très populaire chez nous, même une A7 de base, on n'en a pas tant que ça. Mais écoutez, une RS7, voilà. Je suis extrêmement content. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un 4 litres V8 biturbo. Tout le moteur, 560 chevaux. Il y a aussi la pack perf qui le monte à 605 chevaux. Mais là, c'est la version donc de base. Enfin, de base, tout va bien, quoi. Vous inquiétez pas, on va vite régler ça. Je vais vous parler un peu des détails qu'on va faire sur la voiture juste après. Mais avant ça, mon Michael, qu'est-ce qu'on fait gagner? C'est poser la question, on a fait un petit sondage. P5 ou iPhone? Pour iPhone, c'est ça. Et du coup, 14. Hein. 14. Ouais. Parce que sinon, tu as iPhone 5, t'imagines les mecs qu'on aura pu, tiens. C'est super iPhone. Bah oui, c'est un iPhone, c'est le mec qui fait un iPhone 4. iPhone 14, c'est ce qui a été l'idée. Exactement, donc c'est sur son Instagram. Evan Park Automobile, donc là, on va faire ça. Allez. Oh, t'es belle toi. Evan Park Automobile, tout est dans la description aussi. Voilà, vous cherchez ça sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram aussi, il y a une tas de Delta 06. D'ailleurs, je filme l'écran. Là, on est dans la zone livraison de ta concession, qu'on va voir juste aussi vite fait après. Là, ce que vous venez de faire. Bon, sauf la fumée. Hein. Non, pas la fumée. Mais tout ce qu'il y a. Là, pour tous les véhicules, la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'un client vient chercher une Twingo, parce que tu en as actuellement deux en stock. Ça se passe comme ça. Fleur, champagne. Ouais. Et quel autre détail? Le petit goodies, là, qui s'offre avec deux, trois goodies à l'intérieur. Porte-carte grise, des stylos, le porte-clés, c'est toujours sympa quoi. Oui, c'est toujours cool. Oh, c'est beau. On met toujours aussi le nom du client sur l'écran. Voilà. Comme toi en fait. Bâche, etc. C'est exactement la livraison. À la fumigène près. La fumigène, non. Ouais, non. T'imagines à chaque fois l'alarme qui sonne et tout. Oui, mais celle-là va sonner il y a quelques minutes. Ça, c'est pas prévu ça. C'était un imprévu, monsieur Rizzo. Ça fait des beaux bonus pour la fin d'année. Voilà. Peu importe le véhicule que tu vas acheter chez nous, ça va être livré dans cette configuration-là. Donc l'idée c'est que le client passe toujours un bon moment en fait. Bien sûr. Parce que c'est sympa de récupérer ta voiture, donc le client se fasse un petit kiff quoi. Mais tu sais que je réalise pas là.
Mais je réalise pas. Ça va être trop fou, les gars. Ça va être trop fou. Bon, allez, viens. Il faut que je me change un peu les idées, qu'on aille par là-bas et que. En plus, après, je dois directement prendre la route. Enfin, c'est trop fou. Donc là, on est dans la concession. C'est situé à Chambéry-les-Tours, à Tours, donc dans le centre de la France. On est à 2 heures de Paris, 3h30 de Bordeaux. Pour vous situer, en fait, on est un peu au milieu de la France, mais bien, tu vois. Pas comme si c'était au mieux en Lozère, c'est très beau la Lozère par contre. Mais ouais, t'as vu, très belle M6. On est partenaire depuis 2020. Depuis que j'ai déménagé en Suisse, ça a été un peu compliqué parce que c'est quand même beaucoup d'heures de route de chez moi. T'es spécialisé donc dans la vente de véhicules d'occasion et c'est que du stock. Ça, c'est très important de préciser. On fait pas de dépôt-vente pour des questions de garantie en fait. On garantit tous nos véhicules sans exception, à minima 12 mois intégral. Quand c'est du dépôt-vente, c'est plus compliqué, il y a des problèmes de responsabilité, donc du coup, tout le stock nous appartient. Oh, c'est beau. Pour les gens qui nous regardent depuis peu, il faut savoir quand même que dans cette concession, on a fait une course de cartes. C'est vrai. Non mais mec, on a... C'est non vrai. Mais vraiment... Qu'est-ce que tu pourrais continuer à nous dire sur ta concession? Bon, déjà le site internet, tout est dans la description. Ouais, site internet, vous avez déjà retrouvé quasiment 100% des produits sur site internet. Le module, reprise, etc. Très important. Ici, tout le formulaire de contact est sur ton site internet. Mmh, c'est ça. Vous avez une voiture, vous voulez la vendre. Ici, tu fais des reprises, donc tu rachètes les voitures. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire racheter votre voiture. Tu peux pas racheter ma Impala d'ailleurs. On fait aussi du rachat cash. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir acheté ta voiture chez nous pour pouvoir faire ta reprise. D'accord. Si par exemple tu viens, par contre, t'as pourquoi pas tu de véhicule, pour Impala, là on rachète pas les merguez. Ah. Non, en fait, la vérité en plus, on rachète tout, oui. Même les voitures non roulantes. Ah bon ? Donc on rachète vraiment tout. Mais l'Impala, je crois que c'est, oh, c'est mort. D'accord. Elle est à vendre, si jamais. Voilà. Quelques essais de voitures, même si je fais de moins en moins d'essais de voitures, qui seront faits l'année prochaine. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus présent. Le van aménagé aussi va bientôt arriver d'ailleurs. Tenez-vous bien au courant et pour vous tenir bien au courant, il faut être abonné à cette chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Cette année, c'est du lourd. Franchement, cette année, je balance tout. On y va. Tu sais, comme toi quand t'es en boîte. Hein. De quoi ? Tu veux pas un peu en parler ? Non, non. Là, non ? Là, c'est pas l'heure. Ah, c'est pas l'heure aussi, d'accord, ok. Mais tu as une belle concession, Michael. Merci. Voilà. En fait, il faut venir. Il faut venir parce que je pense que le but, venir ici, c'est de passer un moment. Oui. En fait, on l'a réfléchi comme ça. Ça fait beaucoup en une vidéo quand même. La voiture, le concours. Vous pouvez vous faire acheter votre voiture. Il y aura une Impala à vendre bientôt. Oh, c'est beau. Allez, ça. Alors là, t'as un trio de. E30. Ouais. Magnifique. J'ai eu des moments dans la concession, c'était un peu la folie quand même. Juste derrière, regarde, il y a encore des vestiges. Il y a des restes. Il y a des restes. Il y a un mec, en fait, il est au plafond, il est accroché depuis 2020. C'est le tunnel. Ouais, c'est le tunnel de la mort. Là, on passait, on était à fond. On est vraiment bête hein, quand même. Tu pourrais remettre un petit passage d'ailleurs. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance générale hein, de la vidéo. Bon, est-ce qu'on retourne voir la R7 quand même? On peut. Allez. Bon, pour terminer cette vidéo, je vous dis un petit peu ce qui est prévu sur la voiture et c'est à vous de me dire un peu ce que vous pensez de la config, de ce que je peux faire éventuellement dessus. Je vis à travers vous au final, hein. C'est vous qui me faites vivre, c'est vous qui me faites kiffer et je voulais encore mille fois vous remercier. Cette voiture, ce qui est prévu dessus, les jantes, on va les passer en noir ou alors Claudio a peut-être une paire de jantes à son garage déjà disponible. En parlant de Claudio, il va refaire donc le ciel de toit en Alcantara noir déjà, montant plus par soleil, tout ce qu'on a lu ou en chrome, des chromages et passage en noir. Il y a déjà une ligne dessus, mais c'est pas une ligne on the exhaust. Donc pourquoi pas, on verra. Peut-être que je vais garder la Miltech, c'est déjà pas si mal. Peut-être des suspensions. Le volant va être changé aussi pour un volant en carbone. Il y a beaucoup de choses. La reprog aussi. Vous allez voir une série de vidéos donc avec cette RS7. J'ai trop trop hâte. Mika, franchement, là t'as géré le bail, tu vois. On se rattrapera sur la reprise de l'Impala. Putain. L'échange de plus. Alors, tu sais que la Impala, je devais l'échanger quand tu l'as de bagnole. Mais ça c'est pas fait. C'est vrai. Ah non, ça c'est pas fait. 300 pesos, on te la reprend, je pense. 1 million de francs CFA. Non, ça fait trop cher encore, c'est sûr. Ça fait trop cher. Bon, en tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter pour commencer cette année 2023. Ça va être complètement ouf encore une fois. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, dans une dizaine de jours, je pars au Japon. En attendant, ils pourront déposer donc le ciel de toit et le modifier. Ça va être génial. Suivez nos aventures donc sur Instagram, Alpha Delta dans 6, Event Park Automobile. Toi, tu fais des stories assez quotidiennement. T'as quelqu'un pour ça en plus maintenant ici. Ouais, donc, quelqu'un qui s'occupe de ça. On des met, photos aussi. Ouais, mais quelques véhicules en arrivage et puis quelques livraisons aussi. De temps en temps un peu de préparation aussi sur la partie garage. Et encore une fois, le concours est sur son Instagram, donc il faut aller liker la photo, citer deux potes à vous, partager à Max. C'est ça. Pour essayer de gagner ce fameux iPhone. Hein. iPhone 14. Eh oui. Et c'est pas le premier concours non. De cette année. Il y en aura deux autres. Il y en aura deux autres. Allez. Bon, moi je vais la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bonne année encore une fois à vous. Salut.